Salut à toutes et à tous, c'est Yov et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 sur Minecraft. Alors on commence la vidéo sur un lever de lune. Alors on va sûrement tomber sur des monstres beaucoup plus tard. Alors il nous faut en tout cas de la poudre de squelette, enfin de la poudre d'os, voilà, pour pouvoir faire d'autres colorants. Là vous voyez, enfin vous ne le voyez pas tellement, je vais d'ailleurs l'éclairer tout de suite après. L'arbre des couleurs, enfin je l'ai appelé comme ça, c'est pour le défi que l'on m'a lancé de faire un arbre avec toutes les couleurs possibles avec la laine de Minecraft. Donc voilà, il nous manque pas, enfin il lui manque par contre la couleur rouge que je peux faire directement aujourd'hui. On va la mettre après, et si bien sûr il y a plus de couleurs, je vais faire un deuxième arbre. Donc voilà, ça fera une petite forêt de couleurs, comme ça peut être sympa. Voilà. J'ai l'imagination, on va dire, donc voilà. Alors, on va faire directement le colorant rouge. Hop, voilà, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. On va ranger le reste qu'on n'a pas besoin. Ça, je range, range. Voilà, hop. Parfait. Voilà, donc il y a tout qui est rempli. D'accord. Qu'est-ce que je peux ajouter? J'en ajoute ça. Je peux ajouter quoi aussi? Alors j'ai trouvé du charbon, par contre il faut qu'on en trouve plein parce que regardez, mes fours ils sont presque vides. Oh, j'ai posé le cube comme un gros boulet. Un gros boulet. Bref, ici il y en a 20, et ici il y en a 16. Alors on va mettre les 4 qu'il y a là, ça fera 20 partout. Par contre on a 27 torches et il faudrait qu'on en ait un peu plus. On va en faire tout de suite après. On va ranger le métal. Ça, on va le mettre avec. Ça, j'avais pas mis de demi-dalle ici. Je peux pas ranger la laine quelque part, non? Il n'y a pas un truc à ranger. Ou à prendre. Ah bah tiens, je vais prendre des côtelettes. Ça libérera de la case. Et on ira faire un petit tour dans la grotte qu'on avait trouvée. Alors bien sûr, mes épisodes, je tiens à le dire, sont tournés. Enfin, parfois je fais des épisodes en avance, donc voilà. Certaines erreurs ne pourront pas être corrigées s'il y en a, non? Voilà, ça c'est dit. Est-ce qu'on voit? Oh, un creeper là, un squelette là, un autre creeper là. Le squelette il saute devant mon arbre, il est content, je crois. Il aime bien mon arbre, bon. C'est bon signe hein, déjà, il aime bien mon arbre alors. Qui sait, ce sera peut-être la forêt de couleurs avec plein. J'ai entendu un squelette. J'ai dû rêver sûrement. Alors je vais vous montrer après une construction que j'ai faite juste avant la vidéo. J'ai fait quelques petites modifications que je voulais faire hors vidéo. Parce que ben, dans les vidéos, hein, on s'en fout un peu. Alors on va récupérer ce que le squelette va donner là-bas. Vite, il faut se grouiller. On va prendre notre épée en main. Personne, pas de creeper devant chez moi, c'est nickel, c'est parfait. Alors regardez, j'ai fait la petite route comme ça. Je trouve que ça pouvait être sympa de faire la route. Bah, ce serait plus facile à accéder en bas. Alors là, j'ai pas fini, bien sûr, l'escalier. Par contre, il faut que je surveille bien où il y a un creeper. Alors si vous avez eu l'œil grand ouvert sur l'épisode 9, vous aurez pu apercevoir un creeper en fin de vidéo qui me rendait visite. Mais malheureusement, j'avais coupé juste après, donc voilà. J'ai réussi à le tuer, hein, bien sûr. Oh, il y a un creeper, je vais aller le tuer. Par contre, il faut pas qu'il tombe dans le trou, ce bouffon. Et voilà, je m'en doutais. Ah non, c'est bon. Oui! Oh, de poudre! De poudre! De poudre! C'est parfait. Faudra qu'on aille se construire des TNT. Parce que c'est vrai que les TNT qu'on avait créés dans l'autre monde, ben on pourrait pas les utiliser tout simplement. Où est-ce que le squelette il est mort? Dommage, j'ai pas pu récupérer. Bref, hop, on va rajouter la couleur qu'il faut à cet arbre. Donc voilà. Celui qui m'a lancé le défi, il est témoin qu'il y a 5 couleurs. Donc 5, c'est déjà pas mal. Là, on va tondre les moutons. Merci. Les petites habitudes hein, de tondre les moutons, merci. Par contre, là, c'est de la laine grise. Ah bah, justement, ça tombe bien. Mais on va en mettre qu'une seule. Hein, parce que seulement pour l'arbre. Donc voilà, l'arbre des couleurs.
Par contre, comment ils sont faits les arbres? D'accord. Hop, voilà. Ouais, je vais peut-être le mettre d'un autre côté. Ça rendra meilleur. On le met derrière, voilà. Hop. Donc, il y a 6 couleurs. Normalement. Alors, regardez, j'ai fait aussi un petit décor en dessous du petit canyon. Alors, j'ai réparé aussi le trou qu'il y avait là. Enfin, il manquait une vitrine, donc je l'ai mise. Je crois que j'entends des zombies. Pas sûr, hein, mais. Ouais, ça doit pas être étonnant. Par contre, il n'y a plus de monstres qui spawnent en dessous du canyon, hein, je crois. Ça tomberait bien justement qu'il y en ait un qui spawn juste devant moi. Alors là, j'ai mis de la lave que j'avais récupérée ici. Alors là, ça, ce n'est pas une grotte, hein. C'est un truc que je creuse pour avoir de la cobblestone. Hein. C'est tout simple. Ça peut servir de poubelle. Sauf que j'ai rien à mettre à la poubelle, hein, donc voilà. On va faire d'ailleurs des petits bâtons. On va en prendre un arbre. Comme ça. Hop. Voilà, comme ça on verra pas le trou. Ensuite, on va crafter directement. Voilà. On va faire ça. Hop. Et ça nous fait 43 torches. Ça, c'est parfait. Ah mince. Par contre, il nous manque. Oula, oula, il avance tout seul, c'est pas grave. Il nous manque une pioche en métal. Enfin, j'en ai une là, mais elle est bientôt morte, donc ça serait con d'aller avec une pioche presque dead. Donc voilà. Et après, on ira faire un petit détour vers la grotte. Ce sera sympa. Alors, j'espère que vous aimez bien la route là. Alors, je suis encore sur cette map, hein, comme vous l'avez remarqué, parce que ben il y a plus de votes pour aller sur cette map que contre. D'ailleurs, je n'ai aucun contre, donc voilà. Tous les votes étaient pour cette map. Donc voilà. Hop. Oui. Donc je vais pouvoir faire un nouveau coffre. Ah bah non, j'ai un coffre là où je peux ranger des trucs. On va ranger les. On va garder un seul seau sur nous. On va le remplir d'eau avant de partir dans la grotte, hein, parce que c'est toujours utile. Ça, la pioche. Ça, ah ça je vais le mettre. Excusez-moi, je range bien, je range toujours bien. Alors il nous manque une poudre pour faire de la TNT. On va utiliser ça à la fin. Ouais. Hop, ça voilà. Oh, excusez-moi ça. Ok, alors, excusez-moi, j'ai un petit message. Attendez. Donc oui. Hop. On va dire que j'ai rien reçu, voilà. Qu'est-ce que je devais faire? Oh, c'est mal. Bon, les torches, ça c'est bon, on va les mettre là. Ah oui, une pioche en métal. Pioche en métal. Voilà. Bon, j'ai la pioche en diamant, mais je veux pas l'utiliser maintenant, je sais pas. Ah merde, ça c'est malin, j'ai pas pris les bâtons avec. Ils sont là, on va en prendre deux. Tout ce qu'il faut. Hop. Voilà. Ça fait combien de minutes? 8 minutes. Alors excusez-moi, je regarde quand même le message. Voilà, parce qu'il faudrait pas que ça sonne une deuxième fois. Ok, voilà, c'est bon. C'est bon. On peut retourner dans notre jeu tranquillou. Bilou. On va continuer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Oui, chercher un seau d'eau. On va aller chercher un seau d'eau. Il est quelle heure? Ça va, il est midi dans le jeu, donc c'est bon. Oh, un petit mouton! Je vais te tondre. Merci. Au moins, on aura un beau stock de laine. Hein. Je ne sais pas, on manque de laine, ça c'est clair et net. Je regarde bien qu'il n'y ait pas de creeper, parce que vu que le creeper de l'épisode 9 sortait d'un trou ici, je me demande. Je me demande et j'ai un peu peur hein, quand je viens ici. Alors on va y aller prudemment avec l'épée. Donc voilà. Je tiens aussi à parler, je l'ai noté sur un papier, de mon intro qui a été faite. Hein, mais bien sûr, elle est trop longue pour pouvoir se mettre dans des vidéos à bonne durée. Merde. Oula. À bonne durée. Donc je la mettrai peut-être pas sur cet épisode si il est trop long. Hein.
Mais je l'ai mis dans l'épisode précédent et je tiens à dire que le créateur s'appelle Vigre8. Alors je vais vous l'écrire hein, vu que je suis gentil. Donc allez voir ses vidéos, il fait des très bonnes vidéos sur Minecraft et aussi des très beaux génériques pour des épisodes comme les miens. Voilà. Est-ce que ici je suis dû entrer? Oui, je suis dû entrer ici. On va aller quelque part où je suis pas encore allé. Oui, parce que j'ai été explorer quand même un petit peu tout seul, voir ce que cette grotte pourrait nous donner de bon ou de mal. Merde. Ah. Ah bah tenez, on va essayer de. Ah non, ça fait que de la cobble. Oh, la physique de l'eau a été énorme dans ce moment-là, là. Enfin, je sais pas si je peux appeler ça une physique. Mais bref, c'était énorme. Ouais, on va mettre une torche là, voilà. Tout est éclairé, tout est tranquille. Alors j'espère que les voitures qui passent devant chez moi ne feront pas trop de bruit. Sinon, je vais péter un steak. Oui, c'est très vulgaire, oui. Alors ça va. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça fait de la cobble, fait chier. Je voulais faire Ah, l'obsidienne. Voilà. L'obsidienne, hein. Ça dépend comment vous le prononcez. Moi je le prononce obsidienne ou obsidian. Alors, ici on avait vu un zombie, je me rappelle. Oh, ça fait déjà 11 minutes de vidéo, oh, c'est chiant. On avait vu un zombie. Si ça se trouve, on va trouver un deuxième donjon ensemble et ce serait vraiment. J'ai vu un creeper! J'ai vu un creeper! Maman! Allez viens. Mais tête de fiente. Sale fiente de volaille. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Ouh. BG. Oh, il y en a encore deux. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ah bah moi qui voulais de la poudre, c'est bon. Ça se trouve on a trouvé un donjon de creeper. Crise cardiaque en vue. Crise cardiaque en vue. Oh putain, nom de Zeus. Nom de Zeus. J'ai peur. J'ai très très peur. Très très peur. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Voilà. En tout cas, c'est bien, ça lag pas. Ça, c'est bien. Ah, on a trouvé du charbon. Mission réussie. Par contre, on a trouvé 4 creepers, il me semble, oui, 4. Exact. Et je crois et j'en suis sûr qu'il y a un donjon. Ah, ça peut être clair et net, hein, ça. Oh, ah là là. Alors ça peut être bon signe pour les prochaines vidéos à venir. On va miner le charbon et on se casse taillot taillot les amis. On se cassera directement. On va essayer de se faire une montre d'ailleurs. Je sais plus comment on l'a fait. Je crois que c'est avec de la redstone. De l'or aussi. Je regarde un peu s'il n'y a pas de monstre qui spawn. De l'or et de la stone. Mais après je me rappelle plus du tout. Et du métal peut-être aussi. Je sais plus. On va boucher les trous avec de la bouse. Alors je dis de la bouse parce que oui, je regarde trop les épisodes de Bob Lennon et The Fantasio qui s'appelle ça de la bouse. On va prendre l'épée en main. En tout cas, l'épée en diamant, merci. Parce que si j'avais l'épée en métal, mais alors là, ce serait le total fail énorme, là. Total fail. Elle vient là. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Mais comment il est réapparu? Oh non. Eh mais il a. Oh là là, mais je frissonne tellement j'ai peur là. Ah mais il doit y avoir plein de donjons là-dedans, c'est pas possible. Hein. Oh, il y a un creeper qui est là. Ah non. Je deviens complètement taré. Oh, c'est la nuit. C'est la nuit?
Bon, je vous quitte. Il est trop tard. Salut à tous.